Mon prince, on vous attend. Dehors, c'est bon. Revenez ici. Dites à mon père, le roi, que je ne veux pas épouser une femme que je n'aime pas. Comment mon père pourrait-il choisir une femme que je n'ai jamais vue de mes yeux? Comment pourrais-je l'aimer? Je suis contre ce mariage. Dites à mon père, le roi, que je ne me marierai pas. Allez, passez mon message. C'est pas parce que mon père a déplacé la plus grande styliste d'Afrique les accessoires de chez nous pour me confectionner cette tenue que je vais aller me marier. Jamais. La femme de mes rêves, je l'imagine belle. D'une beauté étincelante. Une fille qui reflète le soleil. Oui, la femme de mes rêves, je l'imagine ainsi. J'irai dire à mon père, le roi, que je suis contre ce mariage. De ce pas. Waouh. Bonjour, mon prince. Vous êtes sûrement une des filles d'honneur à mon mariage. Waouh. Parce que les accessoires de chez nous qui ont confectionné la tenue, des tenues pour mon mariage, ont fait du bon travail. Mon père et ma mère auraient dû vous choisir, vous, comme épouse pour moi. C'est le cas, mon prince. Vous êtes ma fiancée? Oui, mon prince. Seigneur, tu es dans mes prières. Ça veut dire que mon père a fait le bon choix. Vous avez l'obligation d'aller vous vêtir chez
chercher les accessoires de chez moi. Vous partez sur Facebook, vous tapez les accessoires de chez moi. Le numéro de téléphone est en train d'apparaître au bas de l'écran. C'est une obligation. Dans mon royaume, quand on n'obéit pas au roi, oui, je sais, je ne suis pas encore roi, mais je suis le futur roi. Le châtiment, c'est la pendaison. Pour le moment, je me marie. Y'a pas meilleur endroit pour parier. Paris sur mon espèce, si j'ai pu le faire, toi aussi, tu peux le faire. J'avais moi dit la fessie. Que quoi?